Oui, j'ai un peu repensé. J'ai l'impression d'avoir de pas avoir réussi mes championnats du monde, mais d'avoir vécu une compétition très très enrichissante, que ce soit sur le 4x100 ou sur le 50, parce qu'un échec, c'est toujours toujours enrichissant, je pense, pour la suite. Donc voilà, c'est une compète qui m'a permis de grandir. Je vais sans doute changer des choses, parce que je vais déjà m'aligner sur le 100 mètres maintenant, donc ça va changer beaucoup de choses dans la prépa. Après, sur le 50, je pense pas avoir à changer des choses dans la préparation, c'est plus sur ma course, quoi, que j'ai dû louper des choses, et voilà, il faut juste que j'arrive à trouver ce que c'est et que je les change, c'est tout. Mon objectif, hein, l'objectif que Romain m'a donné, c'est qu'il fallait que je fasse un maximum de courses pour me qualifier à un maximum de courses au championnat d'Europe. Ça va être un petit peu plus facile parce qu'il y a 4 qualifiés et c'est pas trop trop compliqué avec en crawl l'arrêt d'Alain, etc. Donc c'est plus simple qu'avant. Et voilà, peut-être le 50 d'eau, le 50 pape, il y aura pas mal de courses et l'objectif sera d'essayer de nager tous les jours au championnat d'Europe.